Mais t'es sérieux toi? T'es qui toi d'abord? My name is Diego de la Vega. I am a fitness teacher from Malibu. Let's do some biceps. Mais je vais jamais faire ça. Tu vas bien que je vais me réveiller. Je suis KO. If you want, you can. Believe me. Bon, à la limite, fais-nous un circuit training spécial matin. It's training time now. Let's go. Circuit training, in only 6 minutes for the beginners and 9 minutes for the best. Allez, c'est parti pour le premier exercice. Vous allez faire 30 secondes de crunch, donc 30 secondes d'élévation de buste. Vous êtes allongé sur le dos, une jambe fléchie, une jambe tendue pour garder une bonne neutralité de votre bassin. Pensez à souffler lors de la montée et à inspirer lors de la descente. Lors de la montée, pensez bien à rentrer le ventre en imaginant votre nombril aspiré vers la colonne vertébrale pour engager le muscle transverse responsable du ventre plat. Ne tirez pas non plus sur la nuque comme je le montre en haut à droite de la vidéo. Pour cela, imaginez une pomme entre le menton et le haut du buste sans devoir la toucher. Une fois les 30 secondes effectuées, roulez sur vous-même pour vous mettre sur la pointe des pieds et sur les coudes. Toujours sur les coudes, vous allez enchaîner avec le deuxième exercice en faisant 30 secondes de gainage dynamique avec des flexions, extensions de coudes comme je vous le montre dans la vidéo de façon alternée. Pensez à rentrer le ventre au maximum, serrez les muscles entre vos omoplates et gardez l'alignement talon, hanche, épaule au mieux que vous pouvez. Pour le troisième exercice, vous allez faire 30 secondes d'enroulé de bassin. Alors pour bien comprendre le mouvement, imaginez votre bassin comme un tapis que vous enroulez et que vous déroulez. Pour ne pas avoir mal au cou, pensez à poser le poids de la tête sur vos doigts, un peu comme si vous teniez une boule de bowling. Vous devez sentir le poids de la tête sur vos doigts. Ici, vous allez cibler le haut et le bas de vos abdominaux. Le quatrième exercice, 30 secondes de gainage dynamique où vous allez monter les bras l'un après l'autre vers le plafond. De même, pensez à bien rentrer le ventre et à garder l'alignement talon, hanche, épaule au mieux que vous pouvez. Le cinquième exercice, vous allez tendre vos bras et vos jambes comme une étoile de mer et venir rapprocher le buste vers vos genoux. Option plus simple, vous avez les pieds et les fessiers posés au sol, les pieds sont largeurs du bassin et vous allez rapprocher la poitrine vers vos genoux à l'aide de vos bras tendus. Vous allez travailler ici l'ensemble de la sangle abdominale. Le sixième et dernier exercice, vous allez faire des mountain climber, donc des montées de genoux vers la poitrine de façon dynamique. Pensez à serrer les muscles entre vos omoplates et à rentrer le ventre un maximum. Pensez à inspirer également et à souffler de façon régulière. Le circuit spécial matin pour tonifier vos abdominaux est donc composé de 6 exercices, chacun durant 30 secondes. Vous allez faire entre 2 à 3 tours en laissant 30 secondes de pause entre chaque tour. And after that, you will have a good day. If you like the morning circuit training, please share it to your friends and don't forget to subscribe to my channels by clicking on my hair. See you next time. Aide-moi, fais quelque chose pour mes cheveux. Aïe! Aïe, mes cheveux! Aïe, aïe! Aïe! Enlève, mais... Aïe, j'ai mal à la couette, mais allez, enlève-moi ça. Vite! Aïe! Aïe, aïe. Si tu veux t'entraîner tout en rigolant, clique sur l'une de mes playlists pour voir mes vidéos précédentes. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur ma vignette. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.